la principauté sera renversée. La principauté sera renversée. Et renversée, renversée. La lutte du croyant contre les idoles, c'est la lutte la plus élevée, parce que c'est ça qui te permet d'obéir au premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Si tu négliges le combat contre les idoles, tu ne seras jamais un vrai adorateur. Tu vas adorer tes passions, tes idées, tes opinions, même si tu es mauvais. Si quelqu'un te dit que vraiment j'apprécie ta gentillesse, tu es heureux. Seigneur, nous te bénissons pour ce qu'on a fait en 2009 à travers un jeûne de 21 jours où il y a eu beaucoup de miracles. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les délivrances que tu as opérées, Seigneur, dans nos vies, dans les vies des membres de nos familles. Lors de la première croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Amen. Père, nous te bénissons pour tout le processus qui a abouti au ministère du renversement des principautés. Merci pour toutes les délivrances que tu as opérées. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes nos familles qui ont été sauvées, Seigneur, pendant les croisades de renversement des principautés. Seigneur, sois béni pour les malédictions que tu as brisées. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour notre foi que tu as instruite et que tu as augmentée. En tes œuvres, Seigneur, en ta puissance, en ta présence au milieu de nous, nous te bénissons, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout le monde dit amen. Amen. Continuez, continuez. Seigneur, merci. Parce que tu nous as accordé de grandir dans ce processus. Je me souviens encore dans cette salle, nous étions, et aujourd'hui nous sommes à Tiekwa. Nous avons grandi. Nous te bénissons pour cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour les démons de pauvreté qui ont été chassés et les vies délivrées authentiquement, pour des personnes, pour les frères qui sont entrés dans tout leur héritage. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce exceptionnelle à travers le renversement des principautés personnelles et familiales. Que la gloire et l'honneur, la louange te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance de ta parole proclamée. Merci infiniment pour toutes les révélations, pour toute la lumière que tu as libérée, Seigneur, en 2009. Ô Père éternel, pour accompagner le ministère du renversement des principautés. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, merci infiniment pour la délivrance des envoûtements que nous avons touchés en 2019 et qui continue jusqu'à ce jour de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour la révélation même du renversement des principautés. Seigneur, merci pour ce ministère puissant, pour cette âme de délivrance que tu as accordée à ton serviteur, mais que tu as accordée à tout le monde entier. Seigneur, merci pour les débuts. Merci pour la façon dont les choses ont évolué. Seigneur, merci pour la première croisade. Merci pour les croisades qui ont suivi. Merci pour la dimension internationale. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné un ministère et il y a un fruit qui est la croisade du renversement des principautés. Sois béni, sois exalté et merci, Seigneur, parce que tu vas continuer à développer ce ministère. Louange et magnificence à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci, Père, pour tous ces démons chassés. Depuis toutes ces croisades, que la gloire te revienne pour toutes les délivrances obtenues par tous les participants en direct, comme ceux qui n'étaient pas sur les différents lieux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur,
pour les miracles, les prodiges, Seigneur, opérés année après année, Seigneur, pendant les croisades de renversement des principautés. Seigneur, te disons merci, Seigneur, pour les guérisons instantanées, les délivrances authentiques, Seigneur. Et te disons merci pour le nombre de personnes qui se sont ajoutées, Seigneur, chaque année, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour les personnes qui ont accepté la repentance pendant nos renverses, pendant la croisade, Seigneur. Et pour toutes ces personnes authentiquement délivrées de l'envoûtement, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour les délivrances des envoûtements lors du renversement des principautés de l'année 2019. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour ces nombreux envoûtements, ô Éternel notre Dieu, que tu as enlevé au milieu de l'Église. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment, ô Dieu, pour tous ces enfants délivrés authentiquement de la sorcellerie durant la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour tous les jeunes qui ont accompagné le renversement des principautés personnelles et familiales pendant la croisade. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci infiniment, ô Père éternel, pour les stériles qui enfantent, Seigneur. Oh, pour les délivrances, Seigneur, d'envoûtement. Oh, pendant les croisades du renversement des principautés personnelles et familiales. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le ministère du renversement des principautés personnelles et familiales que tu nous as donné. Merci Seigneur pour les révélations que tu as données depuis 2009, année après année. Oh s'il te plaît Seigneur, merci Seigneur pour ces révélations qui ont entretenu le produit de CRPPF que nous connaissons aujourd'hui. Sois béni et exalté Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour toutes les guérisons authentiques. Oh, Seigneur, des maladies incurables, Seigneur, qui ont été guéries de façon authentique, Seigneur, durant, oh, Seigneur, mon Dieu, toutes les croisades du renversement des principautés personnelles et familiales. Nous te bénissons pour ces miracles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci beaucoup pour ces miracles opérés pendant les renversements des principautés. Merci particulièrement, Seigneur, toi qui es descendu pour donner un enfant à cette sœur en 2022. Et nous avons vu cet enfant en 2023. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci beaucoup pour les miracles qui ont été opérés depuis 2009 jusqu'à ces jours. Mais les malades qui étaient guéris, les captifs qui étaient libérés, que ton nom soit béni, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci beaucoup, Seigneur, pour la croisade de ce grand programme, Seigneur, de son responsabilité personnelle et familiale. Merci beaucoup, Seigneur, pour le début. Et merci beaucoup, Seigneur, pour ce que tu continues de faire encore parmi nous. Merci pour les miracles, Seigneur, opérés. Merci pour le salut des hommes en grand nombre. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous disons infiniment merci pour tous ces vivants et délivrés, Seigneur, à travers le renversement, à travers la croisade, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce travail merveilleux dans la vie de tes enfants. Sois béni et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour les guérisons divines, les guérisons de toutes sortes de maladies qui ont eu lieu durant la croisade, Seigneur, ô Père, qui a eu lieu, Seigneur. Nous te bénissons aussi, Seigneur, pour les vrais mariages que tu as libérés durant toute la croisade. Que toute l'honneur et la gloire soit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Pour les, ô Seigneur, maris de nuit qui ont été chassés, les femmes de nuit qui ont été chassées, les esprits des serpents, Seigneur, qui ont été chassés, qui ont vomi, qui ont été éventrés, qui pour les biens qui ont été libérés, les familles délivrées. Merci, Seigneur, pour toutes ces délivrances pendant nos croisades de renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci
pour toutes ces personnes et toutes ces familles qui étaient sous l'emprise des principautés du célibat que tu as délivré. Seigneur, merci pour les nombreux mariages qui s'en sont suivis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour les miracles et les prodiges que tu as opérés pendant nos différentes croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Merci particulièrement, Seigneur, pour les morts que tu as ressuscités, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la croisade, je ne sais plus de quelle année, où tu as forcé ma compréhension sur le sujet de l'identification à la famille, au péché de la famille, de se tenir comme juge, comme prophète et comme sacrificateur pour la famille. Et je te rends grâce pour mon frère aîné que tu as sauvé, pour ma sœur aînée que tu as ramenée à toi. Seigneur, merci pour les autres membres de la famille qui ont suivi derrière ma sœur aînée, mon petit frère, mon beau-fils, ma nièce. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont venues à toi après ces supplications. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour toutes les révélations qui ont rendu cela possible. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour toutes les révélations qui ont rendu possible les différentes croisades de renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je peux dire, Seigneur, avec assurance, que tu conduis. Tu nous avais promis que tu te révéleras à nous à mesure que nous serons en train d'obéir. Merci pour ces révélations, soutenues par l'obéissance simple à tes injonctions, Seigneur. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette révélation, Seigneur, accordée aux leaders, selon laquelle, après la repentance et le brisement des liens, il faudrait que le croyant soit conduit dans une intercession gênante et priante avec ferveur. Nous te bénissons cela, car c'est un moyen, Seigneur, pour que nous ayons le renversement des principautés. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci infiniment pour toutes les révélations reçues qui ont rendu la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales possible. À toi toute la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci infiniment pour toutes les révélations reçues au cours des croisades passées qui ont rendu les miracles possibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons. Père, merci infiniment pour toutes les révélations que tu as rendues, que tu as données au pasteur pour que la croisade puisse exister. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le renversement des principautés personnelles et familiales que tu as envoyées au milieu de nous pour délivrer, oh Seigneur, beaucoup parmi nous. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci beaucoup à mon niveau particulier, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Père. Merci, notre Dieu. Je te bénis. Je sais que je vis aujourd'hui, c'est à travers cet renversement des principautés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup parce que tu nous donnes de comprendre que le renversement des principaux des personnes familiales est né sur la base des révélations que tu as données à ton serviteur. Je veux être infiniment reconnaissant pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu as été bon envers nous. Chaque année, Seigneur, tu nous as accordé le lot de révélations qui nous a permis de mieux comprendre le renversement des principautés personnelles et familiales pour aboutir à de grandes délivrances, à des guérisons spectaculaires, miraculeuses. Nous te bénissons particulièrement pour cette révélation selon laquelle
L'activité principale de la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Merci également pour cette autre révélation sur les maris de nuit serpents qui a conduit, Seigneur, à de grandes délivrances parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, merci pour toutes les révélations qui ont rendu possible la croisade de renversement des principautés familiales. Seigneur, merci pour toutes les révélations qui ont rendu possible les différentes croisades de renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour toutes les révélations que tu as accordées à ton serviteur, afin que la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales puisse avoir lieu. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un lise pour nous Genèse 35, du verset 1 au verset 8. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Amen. Certaines personnes peuvent commencer la croisade étant dans le péché. C'est une mauvaise manière de répondre à l'appel de Dieu. Jacob pouvait entendre la voix de Dieu qui lui disait, « Va à Bethel et baptise un autel pour moi. » Et il pouvait quitter avec toutes les idoles et arriver à Bethel. Il pouvait bâtir l'autel avec les idoles. Ou alors il finit de bâtir l'autel. Après, il abandonne les idoles. Ou alors, il commence à abandonner les idoles. Il suspend. Il bâtit l'autel. Ça, c'est de mauvaises manières de répondre à l'appel de Dieu. On répond à l'appel de Dieu en renversant les idoles avant de commencer la marche. Si Dieu te dit, va dans ta chambre, je vais t'envoyer. Avant même de quitter pour aller dans ta chambre, où Dieu va te donner des instructions, tu te sépares déjà de fou. Dès que tu es conscient de l'appel du vrai Dieu, tu dois détruire toutes les idoles avant de dire, oui, je m'en vais. Beaucoup commencent avec les idoles. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Elles seront des épines à vos côtés.
Celui qui dit, je veux commencer l'œuvre avec les idoles, et les idoles vont tomber les unes après les autres, n'aura pas la joie, n'aura pas le repos, n'aura pas la paix, n'aura pas de victoire. Dieu n'a pas dit à Jacob, renverse les idoles, je vais t'utiliser. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Bethel, là-bas, tu bâtis un hôtel à mon honneur. Lui-même, en tant qu'enfant de Dieu, a déjà compris que le jeu est fini. Dieu l'a appelé. Alléluia. Et quelqu'un lise pour nous Hébreux 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Relis. Hébreux chapitre 6, le verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Pourquoi? Le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est-à-dire que le salut, pour être béni, quand Dieu te tend la main, tu dois considérer que c'est la seule issue pour toi. Là, tu n'hésites plus. C'est ça qui fait renverser les idoles. Quand on pense qu'on a des possibilités, on ne peut pas être sanctifié. Quand tu penses que tu peux t'en sortir autrement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ce sont ceux-là qu'on dit qu'ils ont renversé les idoles. Ils n'ont plus d'autre secours. Ils n'ont pas d'amis sur qui compter. Ils n'ont pas de religion. Les autres, ils ont les religions. Les autres, ils ont les pasteurs, les prophètes, les prêtres. Mais lui, il n'a que Dieu, il n'a que Jésus. Donc, chaque appel de Jésus est comme l'unique porte qu'on ouvre devant lui. Il n'hésite même pas. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance que Dieu nous proposait. L'apôtre Pierre a dit, à qui autre irons-nous? Il n'y a plus. Quand tu vois d'autres, tu n'es pas encore sanctifié. Et tu n'as même pas encore l'intention de te sanctifier. Prions que nous soyons prêts. Dès maintenant, pas que le 1er juillet, on va prier ensemble. Non, non. Maintenant, tu revises ton cœur. C'est un travail de paix, de calme, d'assurance, de repos, sans agitation. Tu dis, j'appartiens à Jésus. Quelqu'un lit pour nous Deutéronome 8. Lise du verset 1 au verset 4. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne
que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Amen. Une autre vérité qu'il faut savoir, c'est que Dieu lui-même est à l'origine du renversement des idoles dans ta vie. Dieu lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail qu'on fait en ce. Ce n'est pas une débrouillardise, c'est que c'est une obéissance, une coopération. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le seul le livre aux Hébreux, il dit le seul refuge qui nous était proposé. Dieu même ne te présente pas plusieurs solutions et tu dois choisir, non. Il casse tout. Tu restes sur sa voie. De telle sorte que pour quitter la voie de Dieu, il faut être incrédule. Lui-même, il casse tout. Il dit ici, j'étais humilié. C'est-à-dire, Dieu peut te maltraiter pour parler comme des hommes, pour te faire abandonner les idoles. Il dit à Isaïe, je voulais que tu saches que quand je parle, c'est ça qui donne la vie. Donc, j'étais fait souffrir, j'étais humilié pour exposer les dispositions de ton cœur. Si moi je traduis une Bible un jour, je vais traduire ce passage par pour exposer les dispositions de ton cœur. Je ne veux pas mettre afin de savoir si, parce que Dieu savait. Mais il expose les dispositions cachées. Il expose, il sonde, la Bible dit qu'il sonde les reins. Dieu n'a pas besoin d'informations, comme dit le livre de Job. Il sait tout. Mais dans sa démarche pour te délivrer, pour me délivrer, qu'est-ce qu'il fait? Il nous humilie. Il sort de maltraitant. Il nous mate pour que l'or sorte de nous. C'est ce que 1 Pierre dit. Il éprouve notre foi pour qu'elle ne soit pas sur les béquilles et les rumeurs. Pour qu'on ne te dise pas que voilà Jésus qui passe là-bas, tu l'as vu. Il te met devant Jésus lui-même. Il ne te fait pas tâtonner. Alléluia. Donc, prions pour cette sainte préparation. Avec joie. C'est comme si on te propose tout le bonheur de la vie. Que quand tu es même devant ta Bible, que tu médites, tu dois ressentir la joie. C'est comme si on t'a offert une occasion annuelle de te rapprocher de Dieu après avoir beaucoup échoué. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Non, jusqu'en juin, on te dit, voilà juillet, mets des choses en règle. Tu dis merci parce qu'il y a une possibilité. Qui a déjà rêvé d'un malheur et puis quand il se réveille, il dit heureusement que ce n'est qu'un songe. Ouais. Alléluia. C'est-à-dire que tu te réjouis de la possibilité que Dieu t'accorde de devenir meilleur, de laisser les échecs. C'est pour ça que nos amis qui font comme ça, là, ils ont une nuit là qu'ils aiment. Que c'est la nuit où tous les péchés sont pardonnés. Ça c'est... On ne va pas commenter ça ici. Mais pour nous là, c'est une réalité. Lève-toi, va à Bethel. C'est le lieu, c'est le moment d'accomplissement de nos vœux à Dieu. Ce que tu avais promis à Dieu là, voici le moment de le réaliser.
je prêchais à Douala, les gens se sont levés pour se donner à Christ. Et le Saint-Esprit m'a permis de relancer l'appel. Je recevais dans mon esprit que toi qui es dans la salle, depuis que tu dis à Dieu, un jour je vais te servir, un jour je vais te servir, le Seigneur te dit que voici ce jour-là maintenant. Sers-moi. Beaucoup de personnes se sont levées. Quand on a condamné le péché, ils ne se sont pas levées. Mais quand on a dit que toi qui dis toujours, quand moi je veux faire, quand moi je veux faire là, fais maintenant. Il y avait plein de personnes. Donc, ces jours-ci, c'est une grâce. Dieu nous aide et nous donne une occasion de nous laver, de laver les habits, de nous parfumer, de ressentir la joie, d'avoir des consciences libérées, pas de culpabilité. Tu abandonnes les mauvais calculs. Alléluia. Alléluia. Le seul espoir, une seule espérance, Jésus-Christ. Et Jacob a commencé comme il faut commencer. Dieu ne lui a pas dit envers les idoles. Lui-même savait que si je dois faire à Dieu ce que je lui ai promis, que je veux l'adorer sur cette pierre, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait dans ma maison un autre Dieu. Allez, il a engagé la bataille contre les idoles. Lui-même. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification. Nous devons prier que tous les frères étrangers et ivoiriens, dès que tu as l'intention que tu vas, que je vais aller en Côte d'Ivoire, si tu es dans un autre pays, rien que l'intention te met dans un état de sanctification, de repentance. Tu es en Côte d'Ivoire, dès que tu entends que croisade pour le renversement des principautés, tu ne dois pas comprendre deux messages, un seul message, tous les idoles à terre, le Seigneur seul sur le trône. C'est fini. Frère, c'est une grâce, quelque chose qui fait descendre l'armée du ciel, que vous avez les témoignages. Ici, là, une sœur nous rendait témoignage comment les anges sont venus changer la peau qui était pourrie, gâtée. Dieu est dans cette affaire. Dieu est dedans. Si tu veux être béni, ne sois pas négligent. Quand Dieu est dans un projet, fais-le sans négligence. Un jour, on jugeait les malédictions. Le Seigneur me fait comprendre que beaucoup sont maudits parce qu'ils ont négligé mon œuvre. Donc, il faut commencer par là. Avant de juger le diable qui attaque, que ceux qui ont fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel se repentent d'abord. Ils sont délivrés de la malédiction. Si tu as quelque chose à faire au nom du Seigneur, fais-le avec application. Tu seras béni. Donc, prions ensemble. Père, nous prions. Oh Père, que chacun comprenne que ton appel exige la sanctification avant même de démarrer le travail. Que personne ne commence avec les idoles dans sa vie. Que personne ne dise, je vais d'abord bâtir l'autel, après je vais renverser les idoles. Que chacun détruise toute forme d'idole avant de commencer l'ouvrage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens prier. Seigneur, merci pour cette révélation, merci pour cette exhortation. Merci de nous enseigner qu'il faut renverser les idoles. Renverser les idoles. Renverser les idoles. Renverser les idoles pour pouvoir avoir la victoire. Seigneur, merci. Merci, merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, amen. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. La prière, c'est que
Il faut renverser les idoles. Parce qu'on évolue, la révélation est déjà loin. Il faut renverser les idoles avant de débuter même le... C'est-à-dire, si Dieu te confie la tâche, le premier acte, c'est de renverser les idoles. Ne commence pas pour faire le renversement après. Le passage dit que quand Dieu a dit à Jacob, lève-toi, va à Bethel, première chose, le renversement. Et ce n'est pas Dieu qui lui a dit de renverser les idoles. Comme il connaît Dieu, nous connaissons que personne ne vous trompe. Si un petit sorcier vient là et dit, vous n'êtes pas les vrais enfants de Dieu, certains vont commencer à pleurer. Nous connaissons notre Père. Il dit, venez à Tekoa prier pour vos familles. Première action, renversons les idoles. C'est tout. C'est lui qui dit, je vais renverser le premier. Quand on va commencer, la prière a déjà raté. On ne monte pas dans le car avec les idoles pour aller à Tekoa. Déjà même, nous sommes déjà en train d'attaquer là, d'obéir. C'est ça que Dieu veut. Donc, ne faisons pas une simple nuit de prière. C'est une guerre déjà pour que nos frères, même ceux qui n'ont pas la force de prier, on va prier, Dieu va nous exaucer. Ils vont abandonner les idoles avant d'arriver à Tekoa. C'est pour cette raison que Dieu se manifeste. Quand on crée les conditions pour que Dieu vienne, il vient. Les visions que les frères ont là, c'est vrai. Il y a une sœur qui dit, elle avait vu que Dieu, Jésus lui a donné un bébé. Elle a déjà son bébé. Ce ne sont pas des amusements. Après ça, elle a eu un enfant, elle est venue présenter. Il y en a qui n'ont pas eu de vision, mais ils ont été bénis. Ce n'est pas tout le monde qui a les visions. Il y a des gens qui croient, qui sont bénis et ils sont bénis. Il y a des gens qui ont reçu par révélation, ils sont bénis. Oui. Seigneur, merci de nous faire comprendre que nous devons renverser les idoles avant d'aller sur le champ de bataille à Tekoa. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le monde dit amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette grâce, pour ce privilège, cette faveur que tu nous accordes de nous préparer, Seigneur, avant la rencontre, de nous purifier, de nous sanctifier en renversant les idoles de nos cœurs. Merci beaucoup. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu veux que nous nous apprêtons dès maintenant avant de commencer la croisade. Et tu veux que chacun de nous renverse les idoles. Père, nous prions, Seigneur, que chacun se mette à la tâche. Nous plaidons, ô notre Dieu, que dès maintenant, Seigneur, que chaque frère commence à travailler pour renverser chaque idole. Et nous prions, Seigneur, qu'à travers les nations, que tous ceux qui auront pour projet de venir au renversement des principautés, nous plaidons que tu les visites et que les idoles soient systématiquement renversées. Père, nous prions que tu interviennes, que chacun s'apprête, oh Seigneur, pour que nous rentrons dans la croisade le premier jour, les idoles déjà renversées. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour le privilège et la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous préparer, Seigneur. Nous supplions notre Dieu que tu accordes à chacun de nous de comprendre, Seigneur, que avant d'aller au renversement, Seigneur, qu'il faut se sanctifier, Seigneur. Que tu nous accordes, oh Dieu, à chacun de nous appliquer, Seigneur, en traversant le temps de nos cœurs, en renversant les idoles, Seigneur, pour répondre à cet appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, j'ai compris que aller à Tekoa sans renverser les idoles, sans sanctification préalable, serait une négligence coupable. Éternel, c'est pourquoi je veux te dire merci. Je veux te dire merci et m'engager à engager tout le peuple sous ma responsabilité. Seigneur, rentrer dans ce renversement systématique des idoles et dans cette sanctification préalable à Tekoa, à la croisade du renversement des principautés.
S'il te plaît, accorde la capacité à toute l'Église de s'engager dans une telle marche avec résolution au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu accordes à chaque frère de comprendre comme Jacob, Seigneur, que toute réponse à ton appel commence par le renversement des idoles. Nous prions que tu accordes à tous les frères en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur de comprendre qu'ils doivent renverser les idoles, Seigneur, avant d'entamer la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce, ô Dieu, que tu agisses puissamment, Seigneur, afin que dans toute la nation, à l'intérieur, à l'extérieur, partout, que nous puissions travailler pour renverser les idoles. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, nous prions que tu visites ton peuple. Ô Seigneur, que chacun comprenne que c'est maintenant qu'il faut réviser le cœur. Que ce soit tes enfants ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tous ceux qui ont l'intention de renverser les principautés personnelles et familiales ou de participer à la croisade, que c'est maintenant qu'il faut réviser le cœur en renversant les idoles. Que ce travail soit fait avec beaucoup de concentration et de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, oh, nous prions, Seigneur, que tu accordes à tous les frères du monde entier qui entendent parler, Seigneur, de croisade, à travailler sur le renversement des idoles, Seigneur. Que les frères se sanctifient, Seigneur. Travaille dur avant de se rendre sur le site d'Atiqua. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons infiniment merci de ce que tu crées déjà les conditions et tu nous rassures de ta disposition, Seigneur, accomplir de grandes choses au cours de cette 16e édition de la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale. Merci de nous donner le secret, de nous montrer le chemin. Oh Dieu, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu accordes à chaque frère de comprendre de manière divine, Seigneur, qu'on se sépare de toute idole avant même le début de la croisade, Seigneur. Je prie pour moi-même, je prie pour chaque frère que le travail pour se débarrasser de toute idole soit effectif, profond. Ô Seigneur éternel, afin d'entrer dans toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous à cette croisade à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour les dispositions. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour cette révélation, Seigneur, qui nous permet de renverser, de travailler. Oh, Père, sur la sanctification avant la croisade. Nous supplions ta grâce, ô notre Père, que tu accordes à chaque frère de l'œuvre, partout dans le monde, qui entend parler de la croisade, de se préparer, ô Père, avant la croisade, à renverser chaque idole, Seigneur, de son cœur. Nous supplions ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, acclamons d'abord Jésus-Christ. Merci. Oui, parle à haute voix. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Huguette Kouaou, disciple du pasteur Meunier. Alors, depuis que nous prions, il y a renverser les idoles qui reviennent. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi renverser les idoles? Est-ce que je dois me mettre dans une position de prière où je dis... Seigneur, il renverse les idoles de mon cœur, il renverse les idoles de mon cœur, je renverse les idoles. Et puis, une opération divine se produit dans mon cœur et puis automatiquement, tout est normal en moi, j'abandonne les idoles. Ou bien, est-ce une décision radicale qui émane de mon cœur de laisser les idoles? Gloire à Dieu. Je me joins à la tante Huguette. Quand la dernière sœur a prié, je me suis dit, bon, depuis des années, chaque année, on renverse les idoles. C'est quand les idoles même vont finir dans nos vies définitivement. Ou bien chaque année, on fait face à de nouvelles idoles. Ou bien pour quelqu'un qui sait qu'il a tout renversé, il doit protéger son cœur par rapport à ce qu'il a déjà, le terrain qu'il a déjà gagné dans sa vie. Tu poses à Huguette, non? Comment tu dis? Huguette, prends le micro. Tu ressembles à quelqu'un qui a la réponse. Il y a une sœur qui a prié en dernière position. Oui. Et je me suis dit, chaque année, on renverse. Donc, depuis que le renversement a commencé, on renverse les idoles. Bon, quand est-ce qu'on va finir? Quelqu'un va. Je n'ai plus d'idoles dans mon cœur.
et que ce renversement des principautés qui arrive là, je n'ai aucune idole à faire. Ou bien c'est juste pour celui qui a tout renversé, il protège son cœur, ou bien chaque année, il y a certaines idoles qui reviennent, ou bien de nouvelles idoles auxquelles on fait face. Ça, c'est le pasteur qui peut répondre à ça. Là. Pasteur, au secours. On enseigne qu'il y a la rébellion luciférienne et il y a la rébellion adamique. L'homme n'est pas victime. L'homme est coupable. L'homme a péché. L'homme a des désirs contraires aux désirs de Dieu. L'homme utilise mal sa puissance et il l'utilise pour s'égarer. Il utilise la chimie pour boire l'alcool. Il fabrique, il boit. Ce n'est pas Satan qui fabrique l'alcool. L'homme fabrique. L'homme fabrique le couteau et tue son frère. Dieu dit, j'ai créé l'hippopotame qui est comme toi, mais et il mange les herbes. Un gros animal puissant, mais il est réduit. Son repas, c'est les herbes. Et il est nu, sans vêtements, sans costume. Mais l'homme sonde la terre, touche la racine des montagnes, renverse les montagnes. Il s'en va jusqu'à marcher sur la lune. Il dit, le prince de Tyr a utilisé sa beauté pour pécher. Dieu peut te donner une robe. Tu pèches. Parce que tu as une jolie robe, tu pèches. Ce n'est pas le diable. Les idoles, là, ne cherchez pas l'idole. L'idole, c'est quelque chose qui te donne la satisfaction. Et tu n'as pas besoin de Dieu. La caméra, là, peut te tuer. Quand tu mets ça dans l'œil, tu vois la planète. Le stylo, tu peux acheter un stylo comme celui-ci. Tu regardes, tu dis, c'est ça, c'est joli. Que ton frère te dit, donne-moi, tu dis non. Ne touchez pas. Donc l'idole, ce n'est pas quelque chose que, comme ma presque a dit, on arrache chaque année. Chaque année où? Il y a des gens qui ont leur stylo. Les panderies, là, les habits sont dedans, ils n'enlèvent pas. Il regarde, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Il ne donne à personne. Est-ce que c'est un démon? L'idole, c'est toi-même. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu aimes ce qui t'aime. Tu peux même donner la vie pour ce qui t'aime, c'est l'idolâtrie. Tu peux acheter les consciences. Il y a dans les gens qui ne travaillent que pour gagner les consciences des gens. Il y a des gens qui s'habillent pour séduire. Nous sommes dans une œuvre de communion fraternelle, à tout, bisous, bisous. Mais est-ce que Judas ne sait pas faire des bisous? Vous voyez? Donc, quelqu'un peut tuer quelqu'un. Dans le monde, on dit, je vais t'embrasser pour bien t'étouffer. Quelqu'un peut s'exercer à voler des dîmes, les offrandes, là, les gens volent. Pas même qu'ils ne donnent pas, ils mettent le panier là. Quand tu présentes ça comme ça, il met la main comme s'il change un billet. Il prend. Est-ce que nous sommes ensemble?
Si je prêche là, je demande qui a déjà volé l'argent de Dieu. C'est-à-dire qu'il met la main dans les corbeilles, il prend. Ça va vous étonner. Ce ne sont pas les démons. L'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Quand Dieu parle, les 10 commandements là ne sont pas contre les démons. C'est quand Dieu dit tu ne voleras pas, tu ne commettras pas, il ne parle pas contre Satan. Satan a déjà jugé et chassé même. Mais Dieu veut sauver les hommes pour qu'ils n'arrivent pas dans l'enfer avec le diable. Mais est-ce que les hommes obéissent? Donc l'idole, c'est ce qui a pris la place de Dieu. Ce n'est pas nécessairement un péché. Ça peut être une voiture, un travail que tu aimes. Tu abandonnes même les frères qui ne connaissent pas tes transactions avec Dieu vont te réprimander que pourquoi tu laisses le travail. On a besoin de ça. Il y a des choses, si tu dis aux gens que tu vas arrêter, les gens vont même s'opposer. Et tu peux te consoler en disant, les gens m'ont dit de laisser. Alléluia. Donc les idoles sont des choses sérieuses. C'est les objets de ta vie. Ce sont les dieux de ta vie qui influencent ta vie. Dans Philippe, Éphésiens, chapitre 2, lis, prends ta Bible. Éphésiens 2, 1, 3. La lutte du croyant contre les idoles, c'est la lutte la plus élevée. Parce que c'est ça qui te permet d'obéir au premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face. Si tu négliges le combat contre les idoles, tu ne seras jamais un vrai adorateur. Jamais. Tu vas adorer tes passions, tes idées, tes opinions. Même si tu es mauvais, si quelqu'un te dit que vraiment j'apprécie ta gentillesse, tu es heureux. Même si tu as un morceau de viande humaine en main en train de manger, on te dit que toi, ton amour pour le Seigneur m'encourage, tu es content. Mais avec un morceau de viande. Quand les gens meurent là, les enfants restent mentis. Donc, le papa était bon. Ils mentent. Et les gens payent le prix pour qu'on mente après leur mort. Il fait la sorcellerie, il donne une école à un village. Il est franc-maçon, rosicrucien, il donne la voiture aux lépreux. Et on dira, il a offert un véhicule, mais on ne dit pas qu'il était sorcier. Vous étiez mort par vos offenses. Vous étiez mort par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre, nous tous. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Et nous étions par nature les enfants de colère. Comme les autres. Comme les autres. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'amour propre plus le principe du mal qu'on appelle le péché. L'amour propre plus le péché. Pas plus les péchés, plus le péché. C'est ça, ça c'est l'enseignement de Washmani dans son livre L'Homme spirituel. L'amour propre plus
Le péché, c'est ça, la chair. Donc l'homme est un dieu. L'homme fait partie de la race de Dieu. Quand il est rebelle, il a son royaume et il apprécie les choses que le diable lui propose. Tu vois, nous sommes là depuis. Il y a des gens qui dansent là-bas. Nous sommes ici. Personne ici n'a l'intention d'aller là-bas. On va sortir. Pour nous, ils n'existent même pas. Pour eux, nous ne sommes rien aussi. Pour eux, ils pensent qu'ils vivent. Ils sont comme les asticots dans une latrine. Mais ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Les volontés de nos pensées. Ils pensent à quoi? Quand quelqu'un est là-bas depuis le 18h, il pense à qu'est-ce qui trottine dans sa tête? C'est ça qu'il faut renverser pour qu'il devienne un homme. Il est là-bas. Je vous dis, il y a dans cette salle, les gens, même s'ils sont païens, ils ne vont pas aller là-bas. C'est-à-dire, leur manière d'être païen, ils méprisent tout ça. Mais ils sont païens. Mais il y a des païens, c'est là-bas qu'ils vivent. Vous étiez morts par vos offenses. Vous n'étiez rien. Donc les idoles, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de toi. Que je vais dans un champ d'idoles, je les déracine, je dis j'ai déraciné un hectare de forêt. Non. C'est ton sang, tu veux ça. Les désirs. Et puis, quand tu apprends à dire non, on dit il s'est converti. Il refuse. Notre refuge a été de saisir l'espérance. Pour nous, ce qui nous est arrivé est tellement glorieux que les gens qui dansent là-bas ne savent pas que nous sommes heureux. Ils ne savent pas. Quand ils vont se convertir, il y aura des semaines de regrets. Il y en a qui ont perdu tout leur argent là-bas. Quelqu'un va à la retraite, on lui donne 100 millions de Il gaspille ça. Il y a un monsieur, il a vendu la maison, 150 millions. Après quelques mois, il marchait dans la misère. C'est la vie de là-bas. Il y a un monsieur, on a payé les droits, 50 millions. Il l'a mis dans la poche. Il se promenait avec. Après, c'est fini. C'est fini. Est-ce que nous sommes ensemble? Les idoles sont dans le cœur. Les idoles n'habitent pas les pieds. Ils visent, le frère Jean nous enseigne que tout vise le cœur. Tout. Tout vise le cœur. Donc chacun doit protéger son cœur contre les idoles. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout. Tu vas au marché, chaque robe vise le cœur. Tu regardes la publicité, chacun vient te dire que c'est ça qui est bien pour toi, c'est ça qui est bien pour toi. Nous vivions selon le train du monde, selon la manière de vivre de tous les hommes. On n'avait pas de volonté. On suit seulement. Tout le monde fait ça. Tout le monde. Dès que tu dis que je ne veux pas marcher comme les hommes marchent, tu as déjà gagné. Quand tu vas lire la Bible, on dit Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. On dit, il fait la volonté de Dieu. C'est ça, l'enfant de Dieu. Le péché, c'est ce qui ne plaît pas à Dieu. Même si tout le monde aime ça. Ne dis pas que tout le monde fait ça. Non.
Ce qui est agréable à Dieu, c'est écrit. Ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Et il arrive donc souvent que quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, tous les païens te rejettent, c'est écrit. On va vous rejeter à cause de moi. On va vous haïr à cause de moi. Il arrive donc que les enfants de Dieu qui aiment les honneurs, quand ils essaient de faire la volonté de Dieu, qu'ils arrivent à une réunion familiale, on ne regarde même pas s'ils sont là. On commence à dire, hey, toi là, monsieur Kofi, monsieur Kofi. Et puis il est malheureux. Et puis il revient. Il revient. Et les gens, les païens savent que ah, il est revenu. Et dès qu'il boit une bière là avec eux, c'est fini. On commence à l'appeler monsieur Edouard Saïd, venez. L'homme est un adversaire, il n'est pas victime. L'homme n'est pas un misérable, inconscient, passif, que le péché est venu troubler. Non. Le diable s'est arrangé pour que l'homme soit séduit, que l'homme accepte volontairement de le suivre. C'est pour cette raison que l'homme est coupable. Si le diable était venu attraper l'homme au pied, tirer seulement, Jésus vient, il coupe la corde, et tu es délivré, il te ramène. Mais quand ton cœur est engagé, comme la femme de Lot, on vient te saisir même, on tire, on te dépose loin, tu cours, tu reviens. Dieu a prouvé ça. Dieu a prouvé que l'homme fuit Dieu. On dit à quelqu'un, nous sommes venus vous sauver. Sortez de la ville. Et tourne là toute la journée. Il tourne. Pourquoi? Il y a les intérêts dans la ville. Les anges se disent, bon, on va les enlever de force. On les enlève. On dit, ne regardez pas derrière. Une personne s'arrange, s'arrêter pour regarder derrière. Et c'est symbolique. Ça veut dire qu'il aime le monde. La ville qu'on brûle là, c'est la vie qui est là-bas qu'elle apprécie. C'est ça qu'elle apprécie. Et Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Le combat contre les idoles, c'est le plus grand combat dans la foi. Quand tu as renversé tout, il te reste ce que ton cœur désire. C'est là où tu vas périr. Tu ne vas pas périr dans ce que tu n'aimes pas. Quelqu'un qui forniquait, qui ne fornique plus, ce n'est pas ça qui est son propre problème. Le vrai problème, c'est qu'il forniquait, il buvait, il avait la jalousie et la colère. Il a la colère. C'est dans la colère-là que se trouve son cimetière. Et c'est ça qu'on appelle l'idole. S'il danse parce qu'il a laissé le monde, même les païens laissent le monde. Quand ça chauffe, COVID, quand il y a eu COVID, là, on a regardé la télévision, toutes les villes étaient fermées. La France, là, on a montré un jour, il n'y avait aucun être humain dans les rues. Les animaux sauvages marchaient dans les rues, seuls. L'homme n'est pas victime, l'homme est un pécheur actif, coupable, digne d'être condamné. Mais Dieu, dans son amour, appelle l'homme à la repentance. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Deuxièmement, que personne ne vous trompe et toi-même ne te trompe pas. Si on t'a délivré et tu reviens saluer les ennemis, tu dis à Satan, je suis venu te dire bonjour.
Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. On peut te délivrer. Après 3 jours, tous les démons reviennent parce qu'ils ont trouvé la porte. Jésus dit que quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides pour trouver le repos. S'il ne trouve pas là-bas, il revient te chercher. C'est écrit, que personne ne te trompe. Les débats qu'il y a sur le ministère de délivrance, là, n'écoutez pas ça. Un croyant ne peut pas être possédé. Un croyant n'a pas de lien. Quel lien? Jésus dit, on te délivre, le démon va, il tourne, il revient. S'il n'y a rien en toi, si Jésus n'est pas assis sur le trône, le démon retourne chercher ses amis. Il recrute 7. Plus lui-même, ça fait 8. Ils viennent habiter maintenant très bien la maison qui fut délivrée. Ils reviennent. Et Jésus dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Quelqu'un peut avoir un petit palu. Et petit démon lui donne un petit palu. On vient au nom de Jésus, va-t'en, sors. Le démon tremble et fuit. Après 2 semaines, il revient. Tu es vide. Il s'en va chercher 7. Tu auras 7 fois le palu. Le premier palu plus 8 fois le palu. Et la dernière condition de cet homme sera pire. Que personne ne te trompe. Quand ça arrive, on est étonné, on fait comme si c'est étrange. C'est la doctrine de Christ. J'ai dit à certaines personnes, vous qui voulez qu'on brise vos liens là, repentez-vous, vous ne vous repentez pas. On peut accepter, on va briser, mais après 2-3 jours, vous aurez plus de problèmes qu'avant le brisement des liens. Parce que le diable est réel. C'est toi qui ne connais rien. Le diable existe. Il sait qu'on peut le chasser au nom de Jésus. Et il sait aussi qu'il peut revenir et trouver que tu n'aimes plus Jésus. Alléluia. Nous étions à Lomé. Les trahis étaient là-bas. J'ai dit aux frères qu'aujourd'hui, on va commencer par chasser les démons qui sont revenus après qu'ils aient été chassés. C'est ce que le Seigneur avait mis comme fardeau. Dès qu'on a dit, si tu es un démon qui est revenu après, il fallait voir dans la salle. Plein de démons criaient partout. Que personne ne vous trompe. Et c'est des enfants de Dieu. La loi de Dieu là. C'était donné à qui? À ceux que Dieu avait délivrés de l'Égypte. C'est la loi que Dieu donne aux enfants qu'il a délivrés. Il leur dit, soyez sages. Même dans les mariages, là, ne vous mélangez pas. Il y a des pièges dedans. Essayez d'épouser un païen, tu vas souffrir. Même un faux frère, essayez d'épouser un faux frère. Après 2 ans, il va te dire pourquoi il s'est marié. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, tuez-les, détruisez tout, même leur argent, ne prenez pas. Il y a un piège dedans. Vous voyez? La lutte contre les idoles est une lutte très sérieuse. Troisièmement, l'homme est dynamique. L'homme est vivant.
Il marche. S'il a une paire de chaussures, la volonté de Dieu, c'est qu'il en ait deux, et même trois, et même quatre, et qu'il puisse même en donner à ceux qui n'en ont pas. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont progressé dans la société. Il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu qui est mort misérable. Et c'est même le témoignage de David. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Donc, en Christ, on ne doit pas stagner. Parce que tu es là, tu fais la terminale 15 fois. Et quand tu as le bac un jour, tu as déjà 45 ans. Ça, ce n'est pas le modèle du bonheur de notre Dieu. Et il y a des forces du mal qui disent que l'homme ne va pas jouir de la bonne relation avec Dieu. C'est écrit dans la Bible, les esprits qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, ça existe. Que tu veux méditer, les paupières deviennent lourdes. Ça existe. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas te laisser, les paupières sont lourdes et tu es content. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un qui lisait ne lise plus? Voilà les défis. Donc tu casses tout ça. On dit Amalek avait dit que les enfants d'Israël ne vont pas passer. Peut-être tu as 10 ans dans la foi. Première année, les petits démons ont fui. Tu es passé. Deuxième année, les autres petits démons ont fui. Tu es passé. Troisième année, les petits démons ont fui. Tu es passé. Neuvième année, tu passes difficilement. Après avoir rétrogradé deux fois, tu es revenu. Dixième année, la route est barricadée. Là, tu trouves les autres bien organisés. Ils disent, tu ne passes pas. Et toi, tu es là, tu dis, est-ce qu'on renverse les idoles chaque année? Mais tu veux lire la Bible? Tu dors sur la Bible. Tu dis, on va encore renverser les idoles. N'est-ce pas ces idoles-ci? Ils sont déjà finis. Tu dors. Le diable est content aussi de dire que celui-là ne reconnaît rien. Il n'a pas de révélation. Il ne connaît même pas même la parole de leur père même. Il ne connaît pas. Tu vois? Tu vois les enfants d'Israël, chaque jour, ils sont là devant Goliath. Ils les insultent. Et ils s'en vont se coucher. Quand Goliath finit d'insulter, il lance le défi, il attend un adversaire. Il n'y a personne, il rentre se coucher. Un jeune homme est venu. Il a entendu une seule fois. Il dit, qu'est-ce qu'il dit, cet incirconcis? Il insulte le Dieu de notre peuple. Ce jour-là, la tête de Goliath fut coupée. C'est fini. Les 40 jours qu'ils ont passé là, et lui, il a fait une demi-journée. Il est passé. Avec tout le peuple. C'est ça le combat contre les faux dieux. On les terrasse. On passe. Si tu ne passes pas, tu n'auras pas la plénitude de tes bénédictions. Et je ne souhaite pas que tu manques de sagesse en disant, le peu que j'ai là me suffit. Quand il va finir, il va venir chercher le peu là. Et le diable ne va pas te laisser qu'il a seulement un peu. Il va prendre. Alléluia. Alléluia. Le frère Jean disait qu'il y a des gens qui se comportent comme quelqu'un qui a un terrain. Les voisins prennent. Un voisin prend, il coupe, il prend 2 mètres. Il dit non, ça ne fait rien, les païens sont cupides.
je veux construire. Le peu qui est resté là, je veux investir. Les nouvelles partent que on a coupé le côté gauche. Un autre dit, ah bon? Bon, lui aussi, prend le côté droit. Il coupe un peu. Ah, tu viens, tu dis, vraiment, les païens aiment le monde. OK. La nouvelle continue est que le terrain, là, il paraît qu'il n'y a personne dessus. L'autre vient, il coupe. Tu viens, tu restes là, tu dis que ah, le peu que j'ai là, ça me suffit. Moi, je suis un enfant de Dieu. Après, on va te chasser. Finalement, tu n'as plus rien. Un enfant de Dieu ne doit pas perdre ce que Dieu lui a donné. Une sœur voulait vendre une maison. Je lui ai dit, ne vends pas cette maison, c'est un butin. On ne vend pas le butin. Les choses que tu gagnes après avoir combattu contre le diable, ce n'est pas pour aller les vendre. Cet endroit-ci n'est pas à vendre. Quand on dit butin, là, c'est de ci, là, et d'un bout à l'autre, on ne vend pas ça. C'est le fruit des victoires du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne vas pas en guerre pour avoir beaucoup de moutons et les vendre. Regarde dans la Bible, tu as vu quel roi fait le commerce des choses qu'il a gagnées en guerre. Quelqu'un est tenté de dire à Abraham que donne-moi les hommes. Abraham a dit que zéro, ça ne se fera pas. Même ce qu'on a mangé, on va payer. Si tu dors, on viendra chercher même ce que tu avais gagné. C'est pour cette raison qu'on a vu qu'il faut garder une bonne communion avec Dieu pour que la protection divine soit assurée à tout notre héritage. Et un autre enseignement que vous ne devez pas oublier, c'est que il y a ce qu'on appelle les lieux élevés. Quand David dit que le Seigneur me place sur mes lieux élevés, David a battu les royaumes. Quand il est arrivé à Jérusalem, toute la population s'est levée que David n'entrera pas à Jérusalem. Vous avez vu quand il y avait la crise ici, là, les rebelles avaient travaillé dans les petits villages pendant des années, ça ne disait rien. Mais quand ils se sont approchés d'Abidjan, les choses ont changé. Parce que Jérusalem devait être la ville même de David. Le démon sait que si David s'installe à Jérusalem, c'est fini. C'est fini. Ils ont convoqué tous les boiteux, les aveugles. David les a matés. Il a dit, c'est la cité de David. C'est fini. C'est pour cette raison qu'on dit, on combat l'ennemi jusqu'à l'extermination. On ne fait, donne pas un petit coup de pompe. On dit, il est tombé, tu es parti. Tu ne te rassures même pas que sa tête est déjà coupée. Après 2 kilomètres de marche, tu regardes derrière, il est là. Il te poursuit. Une sœur était oppressée. Pauvre, misérable, mari de nuit, pauvreté, c'était quoi? La colère était dans sa vie. Donc tous les ministères qu'on rendait étaient nuls. Le démon dominait toujours. Quand elle a pris un jeûne de 3 jours complets pour abandonner la colère, Dieu a envoyé un éléphant casser la prison où elle se trouvait en esprit. Elle a vu en vision que sort des décombres. Le mois qui suivait, elle a trouvé. Pas même le mois, les jours qui suivaient, elle a trouvé le travail. Le mois qui suivait, elle a trouvé un mari. La colère. Ça veut dire que le démon qui dominait sa vie prenait l'appui sur la colère, parce que la colère est un lien de domination, un lien du péché. Pour dire qu'il n'y a pas un champ d'idole
une pépinière qu'il faut aller gâter. C'est ton cœur, les désirs de ton corps, les désirs de ta chair, les tendances à faire comme les autres, comme tout le monde. C'est là que se trouvent les pièges. On verra, fuis les passions de la jeunesse, dégage-toi des pièges de l'ennemi. Il faudra être au camp. On va expliquer que veut dire piège. Qu'est-ce qu'un piège? Comment le diable a pu faire pour que tu tombes dedans? Mais avant ça, allons à Dieu quoi. Le camp sera une bénédiction parce que ça sort. Tu as dit des géants. Des gens qui sortent de tu sais quoi, qui entrent dans un camp. Ça, c'est juste pour aller planifier comment gagner le monde entier. Que quelques personnes viennent prier que Dieu donne la révélation. Tout c'est par révélation. Si tu prends l'idole au sens littéraire, tu ne pourras rien comprendre. Si tu penses qu'il y a un champ d'idole, que tu vas te reposer un peu, puis tu vas déraciner une vingtaine, tu n'as rien compris. Mais si tu sais que tu es Dieu, et que tes désirs sont contre les désirs de Dieu, comme il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Si tu crois que tu es sage, tu as déjà perdu la bataille. Il dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Dieu a détruit la sagesse des sages. Dieu a déclaré que l'homme ne connaît rien, l'homme ne sait rien. Prions ensemble. Quelques personnes viennent prier. Nous prions que tu bénisses toute la nation sur la révélation de ce que c'est que les idoles et le renversement des idoles. Tu nous dis que c'est le plus grand combat dans la foi chrétienne. Oh Seigneur, je prie que tous les mensonges que le diable mis dans nos cœurs pour être négligents par rapport aux idoles, que cela soit renversé, que chacun de nous traite les idoles comme la plus grande guerre dans la marche chrétienne. Merci pour les différents niveaux que tu veux nous enseigner sur le respect des idoles, les conséquences, les implications. Nous prions, Seigneur, que nous traitons désormais différemment les idoles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as créé le fardeau du renversement des idoles dans nos cœurs. Mais tu viens de nous apprendre qu'on peut mal les renverser. Seigneur, nous supplions ta grâce que tu nous bénisses, nous tous en tant que peuple, avec la révélation du renversement des idoles et de ce qu'elles sont en réalité. Seigneur, accorde-nous à tous les frères, pendant que nous serons en train de renverser les idoles, de savoir comment nous devons les renverser et quelles sont les idoles personnelles de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour toute la lumière, Seigneur. Merci de corriger nos pensées au sujet de l'idole et du renversement des idoles. Seigneur, je crie à toi, Seigneur, que la lumière, que la compréhension divine nous soit accordée. Seigneur, à chacun de nous. Seigneur, merci de toucher, de briser les résistances de nos cœurs en nous faisant comprendre que l'idole, elle dépend, le combat est situé au niveau du cœur, les désirs, les tendances. Oh Seigneur, je prie que ta lumière pénètre les profondeurs de nos cœurs et que Seigneur, toutes les forteresses soient brisées et que notre compréhension soit plus claire. Oh Seigneur, que la haine, Seigneur, de l'idole,
Oh Seigneur, sois semé en nos, dans nos cœurs. Oh Seigneur, que les bonnes résolutions soient prises, Seigneur. Et que de bonnes attitudes soient adoptées, Seigneur, contre les idoles. Et que le travail, la bataille, que la décision d'aller en guerre contre les idoles, Seigneur, commence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous prions. Oh Dieu, que tu nous donnes des révélations sur le renversement des idoles. Seigneur, permette à ce que chacun rentre au-dedans de lui. Oh Seigneur, que si prend la place de Dieu dans nos cœurs, que si nous aimons. Oh Seigneur, je crie à toi, Père. Oh Seigneur, à mon niveau personnel, je prie que tout ce que l'ennemi m'a volé, je vais récupérer ça cette année, notre Dieu. Je prie que, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je vais reprendre toute ma place, Seigneur. Je crie à toi que tu visites à chacun de nous. Oh Seigneur, visite l'église. Oh Seigneur, donne-nous des révélations. Oh Seigneur, pour pouvoir aller à la Bethel que Jacob a fait, s'il te plaît. Fais-le pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Que tu révèles, Seigneur, à chaque frère, ce qu'est l'idole, Seigneur. Je prie que tu illumines, Seigneur, notre intelligence, Seigneur. Que nous comprenions l'idole de façon révélationnelle et le renversement des idoles, Seigneur. Oh Dieu, que chacun comprenne, Seigneur, oh Dieu, divinement, Seigneur, comment renverser l'idole et ce que l'idole est, Seigneur. Que chacun voit toutes les idoles de sa vie, Seigneur. Oh Dieu, que rien ne soit ignoré, que rien ne soit oublié, Seigneur. Et que le renversement se fasse selon la révélation que tu auras donnée, Seigneur, à chacun. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint, merci pour davantage d'éclaircies sur les idoles et sur le renversement des idoles. Nous prions, Seigneur, que chacun de nous comprenne que l'idole, oh Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de lui, mais que l'idole est dans le cœur, que l'idole déclasse Dieu dans son cœur, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, oh notre Dieu, que la révélation soit accordée à chacun, afin de voir ce que l'idole, dans son cœur, dans sa vie, oh Seigneur, fait à celui qui garde les idoles dans son cœur. Afin, oh notre Dieu, que la haine soit suscitée pour renverser chaque idole de son cœur. Au nom de Jésus-Christ, agis, Seigneur, exauce-nous, s'il te plaît. Que une guerre acharnée soit menée contre chaque idole pendant que ta lumière, tu envoies la lumière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandons l'argent à Dieu, la préparation matérielle. Quelqu'un lit pour nous Exode 35, versets 5 à 9. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Amen. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans argent. Il faut des chaises, il faut le courant, il faut de l'eau. Il faut
Et parce que nous n'avons pas d'électricité, il faut acheter les groupes électrogènes. Nous allons intercéder et Dieu va ouvrir le ciel. On a besoin d'une salle de 10 chambres. Les travaux commencent ce matin. Il ne faut pas que la prière soit perturbée parce que nous avons logé les gens dans les chambres de prière. Dieu a pardonné la première année et il a pardonné la deuxième année. Si on tente encore, il va nous appeler les aveugles. Alléluia. Qui a quelque chose à dire? Je sentais que Carole a quelque chose à dire. Donc, même... Je veux l'avoir prié. Je veux prier. Je veux prier. Je veux l'avoir prié. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh Seigneur, merci. Merci beaucoup de nous délivrer. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Seigneur, merci. Merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette décision. Merci de nous ramener. Merci. Merci parce que cette salle de 10 chambres vient de ton cœur. Merci parce que tu nous la donneras. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, je suis extrêmement... Cette nouvelle réjouit mon cœur. Je disais à la sœur Elisabeth Boissaï, à la fin de l'UMP, pendant l'UMPJ, je lui ai dit, je ne sais pas comment le miracle que Dieu va produire pour que on ne loge plus les frères à la maison de prière. À une époque, le frère Zach nous avait dit, concernant les chambres de prière qu'on avait rétrogradées en logeant les frères dans les chambres de prière, on avait mis Dieu dehors et on avait donné la place à l'homme. Et il avait demandé que ce ne soit plus fait dans les chambres de prière, les chambres de prière qui étaient dans les maisons. Parce qu'il avait, c'était arrivé à une époque où quand on recevait les gens et qu'il n'y avait pas de place dans les maisons, la chambre de prière devenait une chambre à coucher. On déplaçait les affaires de la prière, on mettait dehors et puis on logeait les étrangers dans la chambre de prière. Et il avait dit que c'était cette façon de faire, on mettait Dieu dehors de façon littérale. Et au niveau des UMPJ, depuis le mois de décembre, Dieu nous avait accordé la grâce de restaurer, de ramener cette discipline-là au niveau de la maison de prière à Tiekwa. Donc on avait plutôt mis en place une chaîne de prière pendant les UMPJ et on avait déployé les frères dans le hall quand le hall a été fait. Mais avec la croisade, c'était différent parce que on avait les chambres pour les loger. Ils venaient en grand nombre. C'était compliqué l'équation. Donc à l'approche de la croisade, je veux bénir le Seigneur parce qu'il nous délivre. Cette décision, elle est salutaire. En fait, cette croisade a déjà réussi. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Acclamation à Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes. Tu te révèles à nous et tu nous parles, Seigneur. Merci parce que tu as pardonné la première année. Merci parce que tu as pardonné la deuxième année. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes, Seigneur, au bon moment, Seigneur, de revenir, Seigneur. Merci pour cette décision. Ces 10 chambres, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la maison de prière qui va fonctionner normalement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Reçois l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Intercédons pour 37 personnes qui donnent une somme. 37 personnes qui donnent une somme. Ça fera 37.
et l'affaire est réglée. Prions ensemble. Père, nous supplions que tu nous accordes la grâce d'avoir une première personne sur 37 personnes disposées à donner une somme au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, donne-nous la deuxième personne qui va donner une somme, Seigneur, en un coup pour la construction. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, donne-nous la troisième personne qui va donner un don unique d'une somme au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions, oh Dieu, suscite la 32e personne qui va nous faire don d'une somme au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous bénisses et que tu nous donnes la 33e personne qui va nous faire le don unique d'une somme pour la construction, Seigneur. La 33e personne qui va nous faire le don d'une somme pour la construction du bâtiment au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te prions que tu nous accordes la 37e personne qui va faire un don unique de 10, de une somme pour la construction des 10 chambres à tiers, quoi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour les hommes. Ça peut être toi et moi. Hommes et femmes, quand on va lancer l'appel, tout le monde, chacun pose sa brique. Ça sera comme le travail des fourmis. Prions ensemble. Nous libérons les frères. Nous libérons les hommes. Nous libérons les cœurs des hommes. Nous prions, Seigneur, que ton peuple descende et lève rapidement cette maison et fasse d'autres travaux relatifs à la croisade. Qu'il ne manque pas d'hommes, qu'il ne manque pas d'enfants, qu'il ne manque pas de femmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas encore prié, viens prier vite. Que tu nous donnes des hommes, des femmes, des enfants, des personnes engagées, Seigneur, pour la construction, Seigneur, des 10 chambres, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu suscites des hommes au cœur bien disposé, en grand nombre, afin de pouvoir, Seigneur, réaliser les 10 chambres qui pourront loger les frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous supplions, ô Dieu, afin que tu nous bénisses avec le don de la libéralité. Ô Père, afin que chacun, Seigneur, puisse donner, Seigneur, son tout, Seigneur, pour la réussite de la construction de ce hall de 10 chambres, Seigneur. Nous prions, Père éternel, qu'aucun frère ne reste en marge, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Elle peut tomber tard dans la nuit pour arroser la terre des cultivateurs et laisser toute la journée. Alléluia. Qui a compris le sujet? Si nous chassons la pluie, la famine peut tomber dans le pays après la croisade. Mais qu'il pleuve, mais pas quand nous avons besoin de soleil. Prions ensemble. Père, nous prions que tu nous donnes un temps clément. Que la pluie ne vienne que quand nous n'avons pas besoin d'elle. Oh Dieu. Que le soleil précède la pluie chaque jour. Et s'il veut pleuvoir, que ce soit tard dans la nuit, afin qu'il y ait équilibre dans la saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, nous te bénissons. Nous te supplions, notre Dieu. Nous ne pouvons pas prier contre les saisons. Nous ne pouvons pas demander que la pluie ne vienne pas. Au risque de déclencher une sécheresse. Car tu nous as rendus puissants et tu nous exauces toujours. Et si nous demandions que la pluie ne vienne pas, nous nous mettrions en danger, notre Dieu. Cependant, nous prions une chose, notre Dieu, que tu sais. Fais-nous du bien. Ô Dieu, qu'il pleuve la nuit, qu'il pleuve le jour, que ce soit à volonté, à cause d'un besoin que tu résous. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous crions à toi, ô Père éternel, car le temps t'appartient, Seigneur. Seigneur, nous plaidons, ô Père éternel, que tu nous donnes un temps clément, un temps favorable, s'il te plaît, Seigneur. Nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions, ô Père, que tu nous donnes un temps clément, un temps favorable, Seigneur. Pendant le déroulement de la croisade, Seigneur, nous prions, Seigneur, que la pluie ne vienne qu'au moment où nous n'avons pas besoin, Seigneur. Nous supplions ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu disposes, Seigneur, le temps en notre faveur, Seigneur. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu permettes, que tu nous bénisses, Seigneur, avec un temps clément, Seigneur, durant toute cette croisade. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Et prions pour tous ceux qui demandent les permissions, qu'ils soient libérés. Vous savez, 40 jours, ce n'est pas 2 jours. Les permissions, je pense que c'est combien de jours? 3. Prions ensemble. Père, nous libérons nos frères. Nous libérons tous ceux qui doivent demander des permissions dans leur lieu de service. Nous libérons les sœurs qui doivent obtenir les permissions de leur mari. Nous brisons le joug. Nous libérons les jeunes gens qui doivent obtenir la permission des parents. Au nom de Jésus-Christ, amen. 5 personnes viennent assister. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la permission, que tu ordonnes que les permissions soient accordées à tous ceux qui ont besoin de permission, que ce soit aux conjoints ou au lieu de service. Oh Seigneur, ou aux dirigeants de la communauté, Seigneur, je prie que tu libères toutes ces permissions au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous prions au nom de Jésus que tu accordes la permission à toute personne qui voudrait prendre part, Seigneur, à la croisade. Seigneur, nous prions, nous supplions ta grâce, que ce soit, Seigneur, au travail, Seigneur, à la maison, les parents, même les conjoints, Seigneur, que la permission soit accordée, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tenons-nous debout et jugeons toutes les forces du mal contre le projet dans chaque nation. Toutes les forces du mal contre le projet dans chaque nation. Prions ensemble au nom de Jésus. Continue à insister que tout soit renversé, écrasé, anéanti, brisé, banni, écrasé, anéanti, brisé, banni, toute activité de Satan, de ses hommes contre le projet dans chaque nation soit brisé, banni, écrasé, anéanti, banni, brisé, écrasé, anéanti, dispersé, frappé d'étourdissement, frappé d'aveuglement, frappé de confusion. Disons au nom de Jésus, nous libérons tout argent,
destinée à l'accomplissement de l'ouvrage et que le diable a bloqué. Nous libérons au nom de Jésus. Nous frappons toute main d'homme et nous frappons toute main maléfique. Et nous libérons toute bénédiction. Continuons à prier en langue. Disons merci au Seigneur pour les 7 kilomètres non bitumés. Et crions à Dieu que quelque chose soit fait pour cette tronçon-là. Prions ensemble. Oh Père, que les travaux soient entrepris, que ce tronçon soit réparé. Seigneur, nous te disons merci pour les 7 kilomètres non bitumés. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, que tu étends ta main afin que quelque chose soit fait, Seigneur, dans un bref délai. Oh, notre Dieu, agis, interviens, Seigneur, que le bitume soit mis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les 7 kilomètres non bitumés. Nous te rendons grâce même pour Y4. Oh Seigneur éternel, la première année en allant à Tiekwa, ce n'était pas ça, Seigneur. Tu nous as vus et tu nous as secourus, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, que les 7 kilomètres de la route, Seigneur, à Tiekwa, Seigneur, soient bitumés, Seigneur, donne des ordres. À qui de droit, Seigneur, pour que cela soit fait. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous te bénissons pour les 7 kilomètres non bitumés. Nous prions que tu ouvres les yeux des autorités, afin qu'ils viennent promptement bitumer, Seigneur, ces 7 kilomètres maintenant, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, pour te rendre grâce pour les 7 kilomètres non bitumés. Nous prions, tu donnes des ordres à ce sujet. Et que cette voie soit bitumée, s'il te plaît. Envoie des cirus, Seigneur. Donne des ordres. Et que cela soit bitumé au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions que pendant cette période, le Saint-Esprit dépose chaque exhortation dans le cœur de chaque frère, même s'il est en Bruxelles. Ce qu'on a dit ici doit remplir les cœurs de tous les frères dans toutes les nations. Certains doivent voir ça en vision, d'autres doivent sentir ça dans leur cœur, que ça produise la même obéissance. Et ça attire les mêmes bénédictions. Prions ensemble. Père, nous prions que l'Esprit de Dieu lui-même dépose dans chaque cœur les exhortations utiles pour mobiliser, pour préparer, pour vaincre l'ennemi et pour préparer la rencontre avec notre Dieu. Que certains le reçoivent par vision, ceux qui sont seuls en brousse, seuls dans les campements et ceux qui sont dans les nations éloignées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dernier sujet, prions que Dieu amène à l'existence chaque jour de la croisade. Et chaque jour est riche. Il y a le message, les âmes sauvées, les révélations, les prophéties, les miracles, les témoignages. C'est tout un programme pour la gloire de Jésus-Christ. Que chaque jour soit accouché avec ses grâces, ses vertus, ses faveurs, chaque jour, et que chaque jour soit différent du jour précédent.
Prions ensemble. Nous libérons la croisade, les 40 jours de la croisade. Libérons la croisade avec les miracles, avec les signes, avec les prodiges, avec les guérisons, avec les délivrances, les témoignages, avec les exhortations, les visions, les prophéties, avec les âmes sauvées, chaque jour avec ses âmes sauvées, chaque jour avec ses visions, chaque jour avec son témoignage, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Nous amenons à l'existence le premier jour de la croisade, avec tout ce que tu as destiné pour cette journée. Seigneur, les chants, les louanges, Seigneur, les témoignages, le message. Oh Seigneur éternel, le salut, Seigneur, la délivrance, la guérison. Oh Dieu, que tout ce que tu as préparé pour ce jour vienne à l'existence. Au nom de Jésus, amen. Amen. Père, nous prions pour amener à l'existence le deuxième jour de la croisade avec toutes les révélations, les délivrances, les saluts et ton programme défini pour ce jour. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous amenons à l'existence le troisième jour de la croisade avec le message, toutes les révélations, les guérisons, les délivrances, les prodiges, les miracles que tu impartis, Seigneur, pour ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que les âmes soient sauvées en grand nombre, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Père, nous plaidons que tu amènes le 14e jour et le 13e jour à l'existence et que ce 13e jour de la croisade, qu'il y ait, oh, le salut massif des âmes. Et que, oh Seigneur, il y ait des guérisons, des miracles, Seigneur. Et que ta protection soit en abondance sur tout le territoire d'Atikwa, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce qu'au 14e jour de la croisade, Seigneur, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait le salut, oh Seigneur, des âmes sauvées en grand nombre, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-nous le message, Seigneur, du 15e jour de la croisade. Donne-nous la provision de grâce, le salut en abondance, Seigneur. Ta protection sur tous les déplacements des frères. Seigneur, donne-nous les chants pour ce 15e jour. Donne-nous, Seigneur, ta présence tangible sur tout le site, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, avec des miracles, des guérisons et des délivrances de toutes sortes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous emmenons le 16e jour de la croisade à l'existence. Et nous prions, Seigneur, que toutes les bénédictions, les révélations, les miracles rattachés à ce jour nous soient accordés pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous amenons à l'existence le 32e jour de la croisade. Avec ses grâces et ses faveurs, ses révélations, ses délivrances, ses visions. Oh, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, que le 39e jour de la croisade vienne à l'existence. Oh Seigneur, nous prions qu'il y ait des conversions, des délivrances, des guérisons authentiques. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous prions, ô Père éternel, pour amener le 40e jour de la croisade à l'existence. Nous prions, Père éternel, qu'en ce jour, qu'il y ait de grands miracles. Oh Seigneur, des révélations, des visions, des délivrances authentiques, oh Père éternel. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On se retrouve ici. À la même heure, que le Seigneur vous bénisse. Prions que Dieu nous protège. Père, que ta main soit sur chacun. Que rien ne soit volé à quiconque. Que toutes nos relations soient protégées, que les parents, les familles soient protégées contre tout ce que le diable peut faire pour distraire, pour freiner, qu'ils soient protégés contre les accidents, les agressions, le péché, la méchanceté, le vandalisme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.